Ok, bonjour tout le monde. Donc je reprends pour la partie numéro 3. Hier du coup c'était pour moi hier, mais c'était pour tout de suite pour vous. Donc la dernière partie, on avait, j'en profite pour centrer tout ça, mettre tout ça bien beau, tout ça, tout ça. On avait battu Fantoon, j'avais expliqué très mal les patterns. Maintenant, on va s'intéresser au chemin jusqu'à. On va voir le plus loin possible, au moins jusqu'à Botoun, peut-être jusqu'à Dragon. Voilà. Donc, on vient de battre Fantoon, on a récupéré les drops. On sort de là. Tout de suite, on se met en boule. On fait péter ici. On saute. On saute, on en profite pour tirer tout de suite. On passe ici. On vient se mettre, on tire tout de suite vers le haut. Hop. Pour ouvrir le plus vite possible tout ce qui est porte. On vient récupérer le super missile qui est ici. Tout de suite. Donc on ne fait pas de. Hop, tout de suite, rien de particulier. On monte le plus vite possible. Attention, ici c'est le cours. Après, on vient sur des escaliers un peu plus longs. Ici, attention parce qu'il y a l'atomique là qui va faire des dégâts. Ici, vous pouvez directement wall jump pour arriver sur cette plateforme. Vous chargez les bombes. D'accord? Vous chargez les bombes. Alors, vous faites attention au nombre de bombes que vous avez. Ici, si vous en avez 3 ou plus, enfin, ouais, si vous en avez 3 ou plus, vous pouvez facilement faire la strat. Si vous en avez moins, gardez en tête que vous avez besoin. Après Gravity, pour rejoindre Botoun, vous avez besoin de deux power bombs. Donc gardez bien en tête la gestion de votre inventaire. Et donc, si vous avez. Gardez en tête qu'il va peut-être falloir farmer si vous n'avez pas assez de bombes. Si vous n'avez pas assez de bombes, vous allez être embêté. Excusez-moi, j'étais. Perturbé par mes trucs perso, rien de méchant. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que cette salle-là, c'est ce qui s'appelle l'attique, the attic, le grenier. On va, en gros, c'est une salle où on doit éliminer tous les ennemis. C'est une salle avec des strats extrêmement spectaculaires, notamment 100%. Nous, on va se contenter d'essayer d'aller assez vite, mais pas. Voilà, pas forcément au top. Vous sélectionnez une power bomb avant d'entrer et vous sautez. Et vous allez vous mettre tout de suite en boule pour poser une bombe ici qui devrait. Ah, hop, j'ai pas eu de bol, ça. Comme ça, j'ai éliminé tous les ennemis qui sont ici. Après, ici, vous pouvez 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3. Vous pouvez charger. Voilà. C'est une salle assez propre. On n'a pas pris trop de dégâts. On a récupéré des objets. On est allé assez vite. Encore une fois, vous avez la chance d'avoir l'ice. Donc, vous pouvez aussi éventuellement faire des dégâts avec l'ice beam sans gâcher vos missiles. Donc, je recommence. On pose une bombe ici, ça va normalement tuer les trois. Si on fait tout avec l'ice missile pour pas. Je suis même allé un petit peu plus vite. Pour le coup. Voilà en gros pour la strat de cette salle. Si vous n'avez pas de power bomb, bah, vous pouvez éventuellement utiliser des missiles pour éliminer les ennemis qui sont sur les côtés. Je vais essayer de faire ça, c'est pas une strat. En général, j'ai toujours des bombes ici, donc j'ai pas l'habitude de. Mais en gros, vous pouvez tout de suite. Vous avez vu, ils prennent du temps à éliminer. Thank you.
C'est vraiment conseillé d'utiliser Alors sachez aussi que le ki, là, je sais plus comment ils s'appellent ceux avec leurs ailes, c'est pas les Kianters, mais ceux qui sont en train de voler là avec leurs ailes, ils sont sur des patterns sur toute la salle qui sont pas liés uniquement à notre présence, qui sont pas liés au déplacement de l'écran. Donc de temps en temps, vous le retrouverez ici, dans cette zone-là. Si vous n'allez pas assez vite, vous le retrouverez ici. D'accord? Donc gardez ça en tête. En gros, donc je refais la salle une dernière fois. Refais la salle une dernière fois. Hop. Oups, j'ai sauté trop. On pose une bombe ici. Hop. On en profite peut-être pour prendre les drops si vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Oups, 4, 5. 1, 2. Hop. Voilà. On était un peu plus lent, mais normalement, une vingtaine de secondes, 22, entre 22 et 25 secondes pour cette salle, c'est pas trop mal. On n'a pas perdu trop de temps. C'est une salle qui est beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Donc, voilà. Sachez uniquement la position des ennemis, où ils se trouvent. On va continuer. Ici, vous pouvez descendre immédiatement ici. Vous dash, vous courez. Vous courez. Et ici, là, vous tirez. Sur le chemin, vous tirez pour ouvrir ce petit trou-là. Vous retirez vos power bombs, vous ne vous faites pas avoir. Ici, vous mettez une bombe. Tout de suite, si vous les rechargez un peu, il y a un ennemi qui va popper ici, qui peut vous donner des... Mais ici, il y a des ennemis qui arrivent. Vous pouvez récupérer des drops. Vous pouvez tirer en bas en passant. Ici. Alors, non, si je vais recharger... Hop, je vais laisser. Voilà. Ici, il y a deux méthodes. Il faut savoir que il faut avoir à peu près 120 d'énergie pour le bowling alley, la grande partie qu'il y a avec les pics ensuite. Il faut au minimum 120. Donc là, la stratégie dans la salle suivante, elle va dépendre de votre quantité d'énergie. Si vous n'en avez pas assez, ben vous, comme vous faites ce que vous pouvez pour faire du dégât, récupérer sans prendre de dégâts parce qu'ils font très mal et vous passez. D'accord? Si vous avez suffisamment d'énergie, ben vous pouvez y aller. En gros, en évitant de prendre des dégâts, évidemment. Mais à vous de voir. Bon, évidemment, il faut que vous évitez de prendre des dégâts pour prendre des dégâts. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez passer sans trop vous poser de soucis si vous avez assez d'énergie. D'accord? On va, quoi qu'il arrive, recharger en bas de Red Tower quand on va revenir. Donc, on n'est pas obligé de faire trop attention à notre énergie ici. Donc, soit vous avez rechargé, soit vous n'avez pas rechargé. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir. Vous allez sauter. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous pouvez tout de suite vous mettre en boule et retomber dans la main du chozo. Et là, vous attendez. Musique d'ascenseur. Donc ici, vous tombez, vous passez ici. Dès que vous passez la porte, vous tirez. Ça va activer la gravity suit et ouvrir la porte en même temps. Tout de suite, vous passez la porte. Vous longez ici le mur. Vous dashez, courez. Vous passez ici comme ça. Vous sautez et vous prenez de la vitesse pour passer cette porte. Je vais faire une sauvegarde juste après la reprise de...
On descend, on ouvre, on prend. Ici, je vais faire. Donc, je récapitule. Vous descendez le long du mur. Vous appuyez sur le bouton pour courir. Et dès que vous commencez à être en mode Child Spark, enfin, être en mode. Comment? Que vous étincelez, vous pouvez sauter. Et vous devriez arriver sur cette plateforme. Dans l'idéal, vous devriez être capable aussi d'arriver là. Ça fait gagner un peu de temps. Si vous arrivez sur cette plateforme ici, ça fait gagner une demi-seconde, une seconde à peu près. Ensuite, ici, vous tirez pour ouvrir la porte de manière à traverser la porte avec de la vitesse. D'accord? Et l'idée, ça va être d'avoir suffisamment de vitesse pour sauter et passer au-dessus de ça. D'accord? Est-ce que c'est ce qu'ils appellent là-dedans l'Impulse Mockball? Non, c'est pas dans Maria, c'est ça. Je pense que ça va être ça. Voilà, ok. Donc, vous ouvrez, vous prenez suffisamment de vitesse, et là, vous sautez. Pas comme ça. Et là, vous sautez. Vous devrez être capable de passer au-dessus, vous en profitez, vous ouvrez la porte. Alors, il y a deux méthodes si vous ratez comme je l'ai fait. Qui font perdre du temps. Déjà, faut ouvrir la porte, c'est une bonne idée. Ah zut, j'ai raté. Il y a deux méthodes. C'est soit hop, vous avez suffisamment de vitesse pour faire comme ça, pour passer comme ça. Soit hop, zut, j'ai raté. Tombez dans le trou. Hop, vous pouvez tout de suite vous mettre en boule. Vous passez et vous sautez. Voilà. Ça fait perdre du temps, mais c'est pas non plus la mort. Ici. Je vais refaire une sauvegarde juste après le ça ici. Hop, hop, j'ai raté. C'est bon, j'ai rattrapé. Une sauvegarde ici. Ici, quand vous passez la porte, gardez le bouton chargé. Le bouton de tir chargé. D'accord? De manière à ce que vous puissiez assez vite faire tomber, enfin le tuer ce monstre-là. Vous pointez vers le bas, vous arrivez, vous pointez vers le bas, vous cassez la brique ici, on repasse dans l'autre sens. Ici, je conseille, pour éviter les ennuis, d'avoir une charge en cours de manière à faire ce qu'on appelle un pseudo-screw. C'est-à-dire que ce qui va simuler un espèce de screw attack. Puisqu'en fait, ici, là, les crabes. Et je crois que leur surnom, c'est les Battle Crabs, je crois, dans le. Si je dis pas de bêtises, parce qu'ils font ils font beaucoup de dégâts. Et si vous avez peu d'énergie, en gros, si vous faites pas gaffe, votre run, elle peut s'arrêter ici. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je parle d'expérience. Donc, vous chargez, vous restez chargé, parce qu'en fait, quand vous allez sauter, voilà, vous allez créer du dégât. Ok. Et ensuite, vous pouvez tomber en tirant vers le bas et comme ça vous arrivez en entrant. Donc je recommence, je maintiens le bouton pour tirer, hop comme ça, hop voilà, je charge un pseudo screw, hop comme ça, pas de problème, je peux charger et je peux tirer vers le bas, ça va passer au travers et j'arrive dans cette salle. Ici rien de spécifique, on descend l'ascenseur et on retourne, on revient dans Red Tower. Ici, on se laisse tomber. Alors, en fonction de possibilités, on a besoin de farmer un petit peu d'énergie. Ou on n'a pas assez de super missiles. Toujours faire attention, toujours garder en tête hein, la quantité dans l'inventaire qu'on a. Faire attention, du moins. Vous pouvez charger. Ils vont vous dropper des super missiles en général ou de l'énergie. Ce qui peut être utile. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, vous passez la porte. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop, on va. Tant pis, on va refaire la zone avant. J'aurais dû faire une. J'aurais dû sauvegarder de manière. J'aurais dû être plus intelligent. Mais encore une fois, parfois aussi, ils drop des power bombs, ça peut être une idée hein, de les récupérer.
Allez les récupérer si vous en avez pas assez. Il en faut au minimum deux. Gardez en tête qu'il vous en faut deux pour la suite. Je vais montrer au fur et à mesure les bons endroits pour farmer des power bombs. Alors, du coup, ici, on sauvegarde. Donc, moi, ce que je fais, du coup, c'est si j'ai besoin de farmer, je descends, je tire, hop, ici. Voilà. Voilà. J'ai pas besoin. Ici, hop, hop. Vous pouvez le faire relativement vite en passant comme ça. Donc, j'ai des points de repère. C'est le ici. C'est le trait noir qui est là. Je sais qu'il faut que je me mette en gros entre les deux traits pour passer bien ici. D'accord? Donc, hop. Comme ça, j'arrive bien. Et là, c'est sur la ligne et pas sur la ligne. Donc, en gros, pour... Va-t'en, toi. Va-t'en, toi. En gros, quand vous tombez ici, c'est... Si vous voulez passer, il y a la ligne noire comme référence. Et après, vous mettez juste à côté de la ligne noire et vous devrez passer sans problème. Donc, je récapitule. Hop. Ligne noire, pas ligne noire. Hop, voilà. Pour ici. Cette salle. Je vais prendre ici. Sauvegarde. Okay. Cette salle. Il y a... pareil. Comme à l'aller, il y a deux manières de la faire. Si vous arrivez à faire des damage boost... N'hésitez pas, je vais essayer de le faire. Je suis pas très doué sur les damage boost dans ce sens-là. Ah bah, vous voyez ce que je viens d'expliquer. Hop, je suis pas très doué. Voilà, comme ça. Et vous pouvez ensuite refaire un damage boost par ici. J'ai pas... Hop. Non, j'y arrive pas. Je veux pas. Voilà, comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Je vais essayer d'en faire un convenable pour la démo. J'avoue que c'est... Voilà. Bah dis donc, hé, Samus, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est pas le top, c'est pas la meilleure démo, vous voyez le concept. Je suis pas, j'avoue que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, je suis pas le meilleur à ce truc-là. Ensuite, sinon, il y a vous appuyez sur dash, et vous faites attention, et vous passez, hop, comme ça, des petits sauts à chaque fois, des appuis très courts. Voilà. Vous pouvez passer comme ça, il y a les deux méthodes. Ici, tout de suite, vous sortez, vous ouvrez, et quand vous tombez, vous pouvez vous mettre en boule. J'ai peut-être ce que je vais faire, c'est est-ce que Maria, bathroom, elle return, tube, ok, il refait le donc ça sert à rien. Donc je vais essayer de refaire la salle, puis faire une sauvegarde. Ok, swag, on recommence. Bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas. On passe. Bah, dis donc. Je suis pas bon. Hop, on passe. Bah, dis donc. Suivez mes conseils. Hein. C'est du grand gameplay. Hein. Voilà. Comme quoi, en n'étant pas bon, on peut faire moins d'une heure. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est vous passer. Vous vous mettez en boule. Et comme ça, vous avez souvent l'espace pour passer. Voilà. Hop, hop, hop. Je suis un peu off sur le timing. Ici, vous pouvez poser une bombe. Voilà. J'essaie de le refaire. Le problème, c'est que je suis pas bon sur le timing. Du coup, c'est pas représentatif de ce à quoi ça va ressembler. Hop, on va recommencer. Comme ça, vous passez. Salut! Mégue. Hop. Si on descend et on va venir en profiter pour recharger ici. Bon, normalement, vous l'avez déjà ouvert. Puisqu'on l'a fait à l'aller. Et vous pouvez recharger dans la salle la Slaughter's Recharge. Je peux juste aller à gauche normalement en Moonfall. C'est vrai que j'ai jamais essayé de faire en Moonfall. On s'en reste ensemble à quoi? Donc comme ça là, hop, puis on descend. Hop, on descend. Ouais, si j'arrive à le faire. Okay. Mais j'ai pas le timing aujourd'hui, j'ai pas les bons doigts. D'accord. Mais tu peux naviguer en fait.
Donc juste en gardant à gauche. Et puis après tu navigues, tu... Ok. D'accord, ok, ouais, c'est vrai que ça va plus vite. Il y a moyen de gagner du temps en faisant ça, ouais, c'est vrai. C'est pas très difficile. Ok, bah même moi je le savais pas, toi. Enfin, c'est pas que je le savais pas, mais... Je le tentais pas, mais c'est vrai que c'est pas spécialement difficile, donc à travailler. Donc ici, vous faites un... Posez une bombe, vous descendez, vous morphez dans les airs, comme ça vous pouvez ouvrir en bas. Et ici aussi, hein, il y a un moonfall qui est possible. Hop, si j'y arrive, encore une fois, je suis pas bon avec le moonfall aujourd'hui. Eh! Bon, j'y arrive pas. Hop, vous arrivez dans la Slaughter's Room, vous rechargez. On va garder ça à des strates très très débutantes parce que c'est le principe. Ok. J'ai pas eu besoin de tout ça pour y arriver. Ici, comme à l'aller, on saute. On peut éliminer. Il y a une méthode avec du damage boost, mais on n'est pas là pour ça. Hop. On passe. On prend le super missile, c'est intéressant. On essaie de passer comme ça. Ici, on ouvre et en avançant, on charge les bombes. On ouvre une bombe et dès qu'on peut, hop, on brise. On en profite pour sauter au passage. On peut tirer en l'air pour ouvrir la porte. Comme ça, elle est déjà ouverte quand on est là et on passe. Alors, ici, très bien, Thibaut, bien joué. T'as chargé en voulant faire une sauvegarde, t'as chargé. Hop, on va arriver ici, on va reprendre. Hop. Je vais faire une sauvegarde ici. Donc ici, deux méthodes. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est relativement safe et ça marche bien. J'ai fait comme ça pendant très longtemps et c'est pas trop mal. La deuxième méthode, c'est d'aller. Ah bah j'ai eu un crash, super ça, super nickel. Praxis Hack est pas toujours très stable là-dessus. C'est swag ça. Des crashs du... Ouais, moi j'en ai pas mal. Hein. J'en ai régulièrement. La dernière version du Practice Hack est assez instable. Les dernières versions sont assez instables. Et... Ouais, j'échange pas mal avec les mecs qui font ça, avec Insane Firebat et tout ça, et tout ça. Et... C'est pour ça que j'ai ma version perso. Hein. Et ma petite version avec mon petit pseudo et tout. Hein. Parce que, voilà, c'est swag. Mais ouais, le... S'il n'y a pas de besoin d'évoluer, de changer de version, le fais pas. Il n'y a vraiment pas besoin. D'après ce que j'ai compris, ils ont mis pas mal de choses pour travailler dans la nouvelle version, pour travailler les randomizers. Et voilà. Après, c'est peut-être aussi, faut que je mette un ondulateur moi derrière ma, avant ma console. Parce que c'est possible aussi que ce soit dû à des variations de l'électricité, au moins qu'il y ait quelque chose de stable, un courant électrique beaucoup plus stable pour alimenter ma console, parce que mine de rien, ça commence à dater. Elle a 30 ans, hein, 31 ans maintenant la console, donc elle est 92. Donc, ouais, j'ai une Alim un peu récente que j'ai achetée dans. Mais il y a une petite LED bleu verte au-dessus, etc. C'est pas une anime d'origine. Hein. J'ai plus la référence exacte. Ouais, je suis un Super Famicom. Alors, du coup, ici. La deuxième étape, je disais, donc c'est on saute. Tout de suite ici, hop, wall jump, on arrive là. Et on peut passer comme ça va un peu plus vite. D'accord? Donc je vais essayer de le...
Hop. On ouvre la porte, on essaie d'ouvrir la porte en arrivant. Voilà. En gros, pour la strat ici. Alors, la salle ici. C'est Fish Tank, je crois que ça, on appelle ça Fish Tank. Donc en gros, il va falloir monter. Donc là, pareil, il y a deux méthodes. Donc on court, on ouvre la porte. Si vous arrivez à sauter, pas, hop, vous sautez, vous pouvez tirer tout de suite ici. Et en gros, activer comme ça. Oui, il faut tirer plus tôt, ouais. Ici, bon, j'avais déjà ouvert la porte, je pense, en plus. Voilà. Mais sinon, il faut ouvrir la porte. Faut vraiment tirer comme ça, puis comme ça, elle a le temps d'ouvrir. Bref. Hop. Vous pouvez faire comme ça. Donc, en gros, hop, tirer en l'air. Bon, j'étais pas bon sur le timing. On recommence. 1, 2, une fois que vous êtes en bas, vous tirez en l'air. Ah, vous pouvez, avec des wall jumps, arriver assez vite. Méthode plus simple. En effet, on peut sauter pendant la transition de porte. Je vais essayer de le montrer après. Méthode plus simple, on ouvre et on tire trois fois sur le poisson. Et on passe comme ça. C'est un peu plus lent, mais c'est plus fiable. Et en effet, si on saute bien pendant la transition de porte, je vais essayer de le faire, je crois que j'ai sauté un peu trop tôt. On peut. Je vais essayer de le faire une fois. Je crois que je l'ai bien fait là. Je crois que je suis bon. On peut monter, tout de suite tirer. Ah! Bon, j'ai raté le saut derrière, mais crois que j'ai bien fait aussi là. Non. Hop, on peut. Tout de suite. Ah, j'ai raté! Voilà. Je vais essayer de le faire une dernière fois, mais vous avez compris le principe. Non. Je crois que je suis bon là. Voilà. Hop. Deux. Voilà. On peut faire comme ça. C'est faisable, c'est pas extrêmement difficile, mais il y a des méthodes qui sont plus fiables et plus stables que j'ai montré avant. Qui peuvent servir éventuellement de backup. D'ailleurs, qui doivent servir de backup. L'ordre dans lequel vous devez faire les choses, c'est l'optimal. Et puis après, si ça marche pas, en fonction de ce sur quoi vous échouez, ben vous utilisez l'autre. Alors ici, au début, je vous conseille d'aller chercher ce qu'on appelle les crabes supers. Donc vous arrivez ici. Ouais, je vais le refaire une dernière fois, puis je vais sauvegarder avant d'arriver dans la salle, au tout début. Hop, j'ai raté. 1, 2, 1. Ah, j'ai raté, donc je peux redescendre. Tac. Là, malheureusement, on peut faire comme ça pour remonter. Ok, ici, pour aller récupérer les crabes supers. Super. Hop, on fait tac. On profite du crabe ici pour prendre un peu de dégâts qui va nous ralentir et on va être sûr de passer. Ici, on s'assure bien de ne pas avoir les power bombs. On peut aller chercher ces missiles-là. Si on n'a pas beaucoup de power bombs, ce crabe-là peut nous en donner. D'accord? Donc c'est. Si on a un seul ou zéro power bomb, ce crabe-là, ça peut être une bonne source de farm pour une power bomb. Ça, le taux de drop est relativement élevé. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est éventuellement, si vous n'en avez toujours pas, il y a aussi deux crabes ici qui peuvent parfaitement dropper des. Comment? Qui peuvent parfaitement dropper des bombes. Ici, on va faire un one tap charge. Appuyez comme ça sur l'angle pour Shine Spark en diagonale comme ça le long de la salle et arriver ici. D'accord? On ouvre la porte. Et on repasse. Tout de suite, on pointe vers le bas, on angle vers le bas et on descend. On charge les super missiles, on tire. On charge les power bombs. On passe la porte. Alors, Mego, tu vas rire. Tu sens que le truc, il est. L'automode de Discord, il est anglais. On peut complètement aller plus loin,
Donc, c'est ce que tu dis. Hein. Là, je te... Toi, on peut complètement aller plus loin pour buter le crabe en speed, ramasser une powerbomb. Et en fait, c'est pas buté qui l'a gêné, c'est crabe. Parce que crabs, c'est une maladie, c'est une MST en anglais, crabs. Et parce qu'en gros, il a dit clairement que c'était pour un terme sexuel. Donc je pense que c'est ça, il pensait que crabs, c'était... Exactement. Donc je vais reprendre le hop depuis le hop, paf, paf, boum. En gros, voilà comment je passe. Bombe. On prend le super missile. On pose. Et voilà, là, hop, très bien, il m'a donné un power bomb. Parfait. Super. On se descend. One tap. Et on Shine Spark en diagonale. Donc, n'oubliez pas, pour Shine Spark en diagonale, on appuie sur la touche R. Hein. Enfin, du moins, ce que vous avez sélectionné comme qui est en général R. On appuie sur le bouton qui va bien. On arrive là, on passe la porte, on vise vers le bas. On charge les super missiles, on tire, on charge les bombes. Et on pète ça. Je vais faire une sauvegarde ici. On tombe ici. Et tout de suite, on peut wall jump ici pour grimper là. Ouvrir la porte. Et en gros, si vous arrivez, hop, on peut quasiment tout de suite passer la porte pour arriver en l'air là, comme ça. On abaisse, on ouvre, on casse, on se met au fond de la salle le plus lent possible. Pareil. On Shine Spark, on one tap pour arriver en speed boost de l'autre côté de la salle. Je fais une sauvegarde, je mets en pause et je vais faire une pause technique. J'arrive tout de suite. C'était évidemment purement technique, hein. Il n'y avait rien du tout de... Alors, on va arriver à Botwood. Alors, ici on a Ice, on a l'Ice et on ne va pas commencer à utiliser les méthodes de X-Factors. Même si c'est faisable, on va se contenter de les méthodes les plus simples. On va en gros le spammer de super missiles autant que possible et éventuellement de shot charge, de faire charger par. Comment? Je vais mettre la musique dans ce cas-là parce que c'est vrai que la musique c'est un bon point de. Game options, est-ce que c'est là que je coupe la musique? Musique. Je vais mettre. J'ai un autre truc qui tourne dans le fond, je vais le couper parce que ça va me perturber. Voilà. Donc, on rentre. On charge tout de suite les super missiles. On se met au niveau du trou là et on pointe comme ça parce qu'il va toujours sortir dans ce trou là. Il faut. Là, c'est parce que j'ai parlé, mais en gros,
il faut trouver le timing, entendre à la musique, il va toujours sortir au même moment. Et donc on peut entendre à la musique quand est-ce qu'il va sortir. Un peu toto. Comme je fais plus cette strat depuis un bout de temps, je ne sais, je m'en rappelle plus. Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention à l'énergie. Hein. 8. Ah, 8. Bon, je suis mort. Comme un gros nul. C'est super. Encore une fois, je répète, comme quoi on n'a pas besoin d'être bon. Hein. Je fais plus du tout ça, j'ai plus l'habitude du tout. Là. Hop, on essaie de l'avoir au maximum. Donc il a, si je dis pas de bêtises, 3000. Chaque missile fait 300. Donc je vous laisse compter, il lui en faut 10 dans la tête. Ti du 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 da da, ti du 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 da. Je l'avais dans la tête, je l'ai plus. Depuis que je fais le X-Factors, je l'ai plus, ce truc-là. Ah, c'est trop tôt. 3, 4, 6... faut pas gâcher trop, non plus trop de missiles. 1, 2... 3, hop. Il fait mal, hein, je tombe. Hop. Et voilà, ça se travaille, hein. Si jamais vous avez plus de missiles, vous pouvez y aller aussi avec des... Sachez aussi que vous êtes safe complètement ici. Donc le temps que vous trouviez les patterns, si vous restez ici, il ne vous atteindra jamais et vous êtes tranquille. Pareil, ça se travaille, c'est un rythme à prendre. Mais en gros, vous attendez ici. Il a 4 patterns, si je dis pas de bêtises. Il va soit passer au-dessus, comme ça... boucler et arriver comme ça ici, ce qui est le pire, le plus mauvais pattern entre guillemets. Sinon il y a deux patterns où il va descendre et il va arriver là, ou un où il va arriver là. C'est là-dessus, c'est pareil, en pratiquant on commence à avoir l'habitude de comment ça marche et de ce qui va se passer à peu près. C'est une bonne méthode. Normalement, en une trentaine de secondes, il devrait tomber. Entre 25 et 30 secondes, il devrait tomber si vous vous en sortez bien. Ouais, je pense pas qu'il y a besoin d'élaborer plus que ça. Vous le descendez avec les super missiles. Si vous avez plus de super missiles, vous chargez et vous essayez de l'avoir. Sachant qu'un tir, ça fait exactement le même nombre de dégâts que les super missiles. C'est juste le rythme de DPS qui est pas le même. Voilà, ici donc on sort. Après avoir pris les drops, vous pouvez courir tout de suite, sauter, vous mettre en boule si vous prenez pas le sable. Pareil, c'est le timing ça. Sauter, vous mettre en boule et aller récupérer l'e-tank directement ici. Alors, si vous sautez trop tard, vous allez vous prendre et vous allez pas sauter en fait. Suffisamment, vous allez pas sauter très bien. Je vais peut-être. Catégorie preset, Maria. Juste après Botwoon, l'Alfie. Ouais, le problème c'est que j'ai déjà tout. Il a déjà récupéré le. Ouais, il a déjà récupéré. Bon, je vais essayer de le faire pour démontrer quand même. Mais en gros, ici vous avez les ennemis. Prenez de la vitesse. Vous sautez dans le sable. Tout de suite vous vous mettez en boule. Tout de suite vous vous mettez en boule. Hop, et vous passez. C'est vraiment pas difficile. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez, vous tuez les ennemis, vous pouvez faire un one tap charge pour passer ces murs-là. Ce que je vous conseille, c'est pour notre strat, c'est en gros d'aller farmer les ennemis. Donc là, il s'avère que sur la practice hat, j'ai pas les ennemis. Mais en gros, vous butez ces ennemis-là qui pop. Ils ont 25% de chance de drop un super missile et vous remplissez en gros vos super missiles. Vous allez perdre pas mal de temps ici, mais au final, quand vous faites ça, vu la méthode qu'on va utiliser à Dragon, vous allez gagner du temps. Et plus vous avez de super missiles. Puisqu'à Dragon, on va pas utiliser Enchant Spark,
on va pas... On est vraiment dans des méthodes débutantes. Profitez-en ici pour recharger, en gros, faire le plein. Comment ça? Oui, comment ça, ouais. Je suis pas assez fiable sur le Shine Spark encore pour le montrer, et je suis descendu un souleur relativement confortablement sans taper le... sans utiliser le Shine Spark à Dragon. Ça sent le gars qui a PB à 50 minutes là, qui est bientôt sub 50 là. Une fois que vous avez rechargé, donc moi je vais utiliser la magie du gros pour refill. Hop. Une fois que vous avez tout rechargé, vous arrivez ici, vous passez, vous sautez, wall jump, vous vous souciez pas du tout des mock droids, vous vous en souciez pas, vous sautez, vous passez la porte. Alors, ici, donc c'est ce qu'ils appellent l'alphi, nous on va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bon. Bah tiens, c'est le même truc. Vous passez ici, hop. Vous prenez... Non, je récapitule, hein. Vous reprenez, hop, vous sautez, wall jump, wall jump, wall jump, vous ouvrez la porte. Ici, vous passez et vous sautez directement. Si vous en sortez bien, il y a moyen de wall jump et d'arriver ici directement. Ici, dans le sable, vous wall jumpez contre les murs ici. Hop, 1, 2. Hop, tac, 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 on passe. Ici, on fait attention parce qu'il y a les pics, on va risquer de perdre de l'énergie. N'hésitez pas à friser les mock druides pour pas qu'ils vous cassent les pieds. Alors, ici... Ici, c'est l'endroit au début où peut-être vous allez galérer. Mais en gros, il faut savoir qu'il faut sauter à peu près au niveau de ce bloc-là. Hop. Ici. Hop, si j'arrive à faire des... Hop. Oh, ben dis donc, eh. Ici, là. Ici. Voilà. Et comme ça, vous allez passer. Faut pas le faire trop haut, faut pas le faire trop bas, sinon vous passerez pas. Mais c'est comme ça qu'on passe. Donc ici, à cet endroit-là. Je vais essayer d'enchaîner les... Hop, ici. Je pense qu'on change de... Hop, ici. Voilà. On passe. On refile. Je vais charger. Ici, on peut sauter. On ouvre la porte avec un super missile. On descend. Tout de suite, on ouvre la porte avec un super missile. On passe. On charge ces missiles. Et en descendant, on va aller dégommer les tourelles qui se trouvent ici. On se met au niveau juste après le crabe, là. Et on en tire 3. Donc c'est entre le crabe et le petit déchet, là. On en tire 3. Et ensuite, vous allez vous mettre à peu près toujours une fois au niveau du crabe. Vous allez vous mettre en position accroupie et charger votre ice. Pour que lorsque Dragon va balayer, tout de suite pouvoir lui faire du dégât. Donc chaque tir... fait du dégât à 300. Ici, on élimine tous les... Hop. Ah oui, je suis bête parce qu'en fait, faut que je fasse... On n'arrive pas d'auto dans ce cadre-là. On va retourner... Je vais recréer un gros... non, c'est dans Mariga, Dragon. Et en gros, je vais faire un... Écoute-moi, refill. Je vais me créer un point de sauvegarde. Je vais même créer un reset. Un save custom preset, comme ça on reviendra ici. Ça évitera les mauvaises manips. Donc je récapitule. On passe la porte avec les missiles. On passe la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se mettre entre le crabe ici et le petit déchet là pour aller buter la troisième tourelle. Je vais juste regarder ici. On charge en attendant Dragon qui apparaîtra toujours de ce côté là et on dégomme. Une fois qu'il crache là son truc, on charge le super missile. Alors c'est pareil, normalement on en a 15. On se remet en position pour le dégommer avec
tout simplement. Hop, on charge. Anti-swap. S'il passe pas tout de suite, c'est probablement il va nous cracher dessus. Et hop, j'ai raté, dommage. Hop, ce sera pas puissant. Voilà. Comment on va s'y prendre? C'est relativement safe, on n'a pas perdu d'énergie, on est sûr qu'on survivra quasiment toujours à Dragon. Il n'y a pas de problème en faisant ça, c'est très très safe. Sachant que normalement ça va plus vite parce que on a en réalité, on a... on a en réalité, je vais le charger, je vais refaire parce que on a 15 super missiles puisqu'on a pris les crabes. Hop. Donc ça va encore plus vite. Donc je vais refaire le custom preset ici. Voilà. Pour refaire une dernière fois, mais en gros vous avez compris le principe, je vais pas passer des heures sur Dragon. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Parfois si vous chargez dessus et que vous tirez, il va passer, vous allez pouvoir mettre un autre dégât de... avec le... Voilà, il va toujours un peu plus lentement. Voilà, comme ça. On arrive toujours peut-être à lui mettre un petit dégât. Là j'ai même pas... Voilà, je l'ai vu. Parce que je savais qu'il restait 200. Mais en gros, voilà comment on tape Dragon. Vous chargez des... Vous chargez des charge shots quand il se balade comme ça, quand il swipe. Et quand il... comment? Et quand il charge avec en crachant, bah vous éliminez les crachats, vous courez de l'autre côté de la salle, vous éliminez les crachats, et quand il n'y en a plus, vous le spammez avec ce que vous avez, donc soit vos super missiles, soit vos missiles standards. Vous n'hésitez pas à récupérer les drops au passage. Ici, normalement, moi je récupère pas les drops pour gagner du temps, parce qu'en général on en a pas besoin. Et vous allez récupérer ici le space jump. Hop, vous reprenez la salle, vous sortez le plus vite possible avec le space jump. Voilà. Ici, immédiatement, on peut wall jump, arriver ici, ouvrir la porte et on traverse. Et là, on va sauter tout de suite après la porte. Hop. Et ici, on va prendre de l'élan et en gros, utiliser le space jump pour traverser toute la salle autant que possible. Et on essaie de pas prendre de... comment ? De blocs ou de quoi que ce soit, hop, pour arriver le plus vite possible. C'est aussi simple que ça. Si on tombe, par contre, on va perdre beaucoup de vitesse. Et comment ? Si on tombe et il faut regrow, oh vas-y j'ai perdu, hop j'ai perdu la vitesse. Bah vous avez perdu toute la vitesse que vous aviez obtenue. Donc vous allez perdre du temps. Et si vous tombez parce que vous ratez, bah il faut remonter en gros et recommencer. Hop et on recommence. Voilà un peu pour cette salle là, j'ai pas passé des heures. Ici vous arrivez, vous vous souciez pas du droïde, du mob droïde là, vous pouvez descendre immédiatement, passer ici. Dès que vous sortez de cette salle, hop, tout de suite, vous sautez, hop là. Et là, vous en profitez pour récupérer des super missiles. Ceux-là, le drop de super missiles, il est quasiment de 100%. Donc vous en profitez, vous passez la salle. Ici, vous pouvez encore farmer, si vous voulez, hein, ici, des... C'est pas obligatoire. Je passe parce que c'est vraiment de la navigation, ça faudra le faire et faire, il n'y a pas de secret. Vous passez cette salle là en tirant en allant le plus vite possible. Ici. Alors ici vous allez le plus vite possible.
vous arrivez là, ici. Et en gros, ici, vous allez sauter. Et arriver sur cette plateforme. Sachez que normalement, quand vous allez arriver, il y aura le poisson. Le poisson se trouvera exactement là où il est. Donc vous devrez sans doute le contourner. Je vais essayer de le représenter, ça. Maria. C'est pas Cacalet, c'est la Plasma Sparkroom. Voilà, c'est ça. Donc, ici, hop. Je vais essayer de le refaire. Dans les vraies conditions. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Vous avez vu, il se trouve là sur le chemin, donc sinon vous allez prendre des dégâts. Moi, ce que je fais, c'est ici, je le freeze. Deux wall jump, et on passe. D'accord? Ici, moi, ce que je fais, et c'est relativement efficace, c'est... C'est le... La Cassius Room, c'est celle-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est dès la sortie de la porte, je saute vers la gauche pour faire un wall jump contre le mur et arriver sur la plateforme, et je freeze le pancake, là. Hop, hop, tout de suite. Comme ça, je peux monter dessus. Je saute, je freeze. Comme ça, je peux sauter. Hop, pareil, c'est relativement safe. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Mais on peut aller assez vite quand même. Hein, en faisant comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà en gros comment je fais pour cette salle. Ici, vous sautez, vous ouvrez, vous passez au-dessus. Parce qu'attention, il fait pas mal de dégâts. Vous passez. Et ensuite, vous vous laissez tomber. Vous tirez, vous récupérez plasma. Ici, personnellement, ce que je fais, c'est... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça, vous éliminez les deux. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Attention, parce qu'en fait, il part de l'autre côté. Donc parfois, s'il sort de l'écran, vous ne pouvez plus l'obtenir. Donc vous allez devoir aller le chercher... Et aller ensuite ouvrir la porte. D'accord? Donc je recommence. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Maintenant, du coup, vous pouvez complètement passer à travers cette salle. N'hésitez pas à récupérer les drops, ça prend pas de temps. Et il en donne pas mal. Vous vous laissez tomber. Une fois que vous arrivez, vous passez le pancake, là, vous tirez vers le bas pour ouvrir la porte. Vous passez la porte. Ici, jump, jump, et vous devrez arriver ici. D'accord. Passez par là. Vous arrivez là. N'hésitez pas à anticiper pour récupérer les drops. Ça peut faire du bien aussi. Dans Marilia... Plasma Spark Revisit, ça va être ça. Si jamais vous ratez votre saut et vous tombez, c'est pas grave, vous allez perdre du temps, mais c'est pas du tout la fin de votre run. Vous passez par là directement. Hop. Hop. Et vous arrivez par là, comme ça. Une fois que vous arrivez ici, bon, et vous ouvrez la porte, vous vous laissez couler. Littéralement dans les toilettes. C'est ce qu'on dit, c'est le toilet bowl. Toilet bowl. Bowl. Ici, on soft morph. On ouvre la porte. Ici, alors. Ici, il y a une des strates que je trouve les plus swag. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer, charger, courir, lâcher tout de suite quand vous passez la porte. Et vous faites un petit saut pour passer en mode space jump. Et passer la porte. C'est une de mes strats un peu préférées, je trouve qu'elle est très sympa cette strat, c'est une des premières vraiment impressionnantes que... Enfin impressionnante, que je trouve impressionnante que j'ai réussi à passer, elle est vraiment pas difficile. C'est celle-ci. Ouais c'est celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Donc je récapitule, vous ouvrez la porte, vous chargez, vous tirez. Une fois que vous passez la porte, vous lâchez le tir, vous faites un petit saut. D'accord? Si vous faites pas un petit saut... Vous allez avoir un problème, c'est que vous allez taper
là-haut. Et en gros, vous allez perdre toute votre vitesse. Et parfois même, vous allez tomber dans le trou et vous avez plus de vitesse. Donc, faut vraiment... vraiment faire un petit saut en sortie de porte. Outil. Voilà. Tout simplement pour cette salle-là. Ici, vous ouvrez, vous passez. Et tout de suite, là, vous anglez vers le bas. Et vous tirez, vous butez, vous prenez. Vous anglez vers le bas. Et vous passez. D'accord, je la refais rapidement, cette salle. Angle vers le bas. On tire, hop, on passe. On démorphe, angle vers le bas, angle vers le haut, on passe. Ici, avec le space jump, on peut aller assez vite. Bon, évidemment, il a fallu que je rate ce que je voulais dire, mais en gros, vous pouvez passer. Vous pouvez parfaitement... Je vais essayer de le refaire. Hop. Je vais back up ici. Vous pouvez évidemment passer comme ça. Ce qui est très safe. Vous ouvrez la porte. Et en faisant deux sauts, vous pouvez tomber directement dans le trou ici. Et en fait, en rechutant, vous pouvez ouvrir la porte. Tout de suite courir. Et aller prendre l'ascenseur. Ici, il y a trois chemins, possibles. Je vais prendre ce qui est, à mon avis, est le meilleur compromis. Je vais vous en montrer deux. Sur les trois, c'est ceux qui ont le meilleur compromis entre vitesse et simplicité. Donc le premier, qui est moi, celui que je prends pas, mais notamment celui que Mélonax présente dans son tutoriel, c'est en gros, on repasse chercher Ice, comme si on allait chercher l'Ice Beam. Hop, on court. Et sauf qu'ici, on fait sauter. On passe là. On bute tout le monde. Bon. Swag. On bute tout le monde. On ouvre la porte. On descend. On ouvre la porte. On passe. On va très vite. Surtout, on arm pump pas ici. On ouvre la porte. On passe. On arrive là, hop, on fait des petits sauts pour garder le contact, on ouvre la porte, on passe. Et on arrive ici. Moi, personnellement, la strat que je prends, c'est plutôt celle-ci. Je descends là, comme ça ici. Je passe par là. En gros, je reprends le tunnel. Je passe là rapidement. Tunnel à fond. Une fois qu'on voit les petits débris là, on peut tirer. Comme ça, on passe la porte. Je vais le représenter, je vais le remontrer ça. Je vais le remontrer. Donc hop, on repasse comme ça, comme tout à l'heure, on passe. Hop. On essaie de pas se perdre du temps face à. On court. Et en gros, quand vous arrivez ici, là, sur le petit débris là derrière qui se balade, hop, vous pouvez ouvrir la porte, tirer, ouvrir la porte, et comme ça, vous passerez sans perte de vitesse. Vous continuez vers le bas, vous tirez pour ouvrir. Si vous débrouillez bien, vous allez réussir à ouvrir les deux en même temps. Donc vous descendez, vous ouvrez les deux. Et ici, vous vous laissez tomber en tirant vers le bas, et vous allez juste traverser la room, la room à toute vitesse. Et on se retrouve là où on était tout à l'heure, au point de recharge, où on est arrivé. À mon goût, elle va un peu plus vite que l'autre strat. Je la trouve pas plus difficile, et elle va plus vite, pour moi. La deuxième strat, c'est de passer par au-dessus, mais elle est beaucoup plus difficile, beaucoup plus technique, elle va plus vite, mais il faut être bon, et c'est pas le cas. Voilà. Une fois que vous arrivez ici, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de recharger, vous rechargez. Si vous n'avez pas besoin, ça peut être une bonne idée au tout début, hein, quand vous n'êtes pas encore très confortable, de recharger ici. Mais sinon, vous n'avez pas besoin. Ici, donc vous allez passer. Et ici, en gros, vous allez prendre de la vitesse et tout de suite, space jump. Normalement, il y en a besoin de 9. 8 ou 9, vous tirez vers le bas. Tirez vers le haut, vous mettez en boule, vous chargez les power bombs.
Vous en mettez une à peu près ici. Vous n'hésitez pas à aller récupérer une power bomb pour en avoir 5. 4 c'est suffisant. Tirez vers le bas pour friser. Vous tirez. Vous pouvez friser là celui-là. Je vais un peu vite. Je vais sauvegarder à lava dive. Est-ce qu'il y a un truc preset juste avant lava dive? Est-ce qu'il y a un truc juste avant? Non, il y a l'amphithéâtre. Non, c'est pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. On va faire un point de sauvegarde ici. Je vais montrer. Alors, vous avez récupéré les power bombs. Donc, vous passez. Vous pouvez friser les deux. Et ensuite, ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Et vous allez pouvoir passer, traverser facilement. D'accord ? Bon, je récapitule. Hop. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ah, oh, j'ai raté. Bon, c'est très bien. Si vous tombez, si vous ratez, c'est simple. Vous récupérez ici, vous vous mettez là. 1, 2, 3, 4, et vous êtes en haut. Enfin, c'est bien comme ça, je présente des strates. C'est évidemment purement volontaire, hein, ça n'a rien à voir avec... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Voilà. Personnellement, c'est comme ça que je passe. Et tout de suite, évidemment, vous descendez dans Lower Norfair. Ensuite, tout de suite, vous partez par là. Space Jump. Vous pouvez charger vos power bombs tout de suite. Ouvrez la porte, mettez-vous en boule. Vous traversez. Dès que vous passez la porte, vous posez la bombe. Vous passez ici, comme ça, et vous récupérez les deux power bombs. Ici, une méthode avec un short charge que je ne vais pas présenter. En fait, ici, tout de suite, vous ouvrez la porte, vous courez. Non, je vais faire une sauvegarde, justement. Vous courez, vous sautez, vous posez... Ah bah non, on recommence. Vous sautez, vous chargez bien les power bombs avant d'arriver. Vous sautez, vous mettez une power bomb. Vous courez, vous prenez l'élan. Space jump. Vous sautez, vous prenez l'élan. Vous passez. Vous ouvrez la porte. Vous commencez, vous chargez un tir. Pour que tout de suite ça sorte et ça freeze de l'autre côté. Je le refais mais en mieux. On charge, on court. Space jump, on pose. On va prendre de l'élan. On court, on passe. On pose, on court. On prend un peu d'élan. Paf. Space jump. On ouvre la porte et on tient un tir en passant la porte de manière à freezer tout de suite le monstre. Ici, alors, worst room in the game. Est-ce qu'il y a un backup, catégorie preset? Est-ce qu'il y a un truc pour juste avant worst room in the game? Non, je vais le refaire une dernière fois du coup. Et puis j'essaierai de sauvegarder le mieux possible en bas de la porte. Parce qu'il y a une question de timing dans cette salle. 3, 4, hop. J'ouvre la porte. On charge. On charge un tir tout de suite. Vous pouvez charger un tir ici. Pour le buter. Tout de suite, vous tirez vers le haut, vous butez celui là-haut. Et vous pouvez buter celui-là. Tout de suite, vous avez toujours donc vos power bombs équipés. Wall jump, vous venez briser ça. Vous reposez. Wall jump. Hop. Vous montez, vous chargez un tir pour qu'ici vous le tirez vers le haut. Vous pouvez friser du coup celui-là pour qu'il vous embête pas. Et passer ici. Et ensuite on arrive dans l'amphithéâtre. Je vais refaire cette salle. On charge, on tire, on charge, on tire, on charge, on tire pour essayer de l'avoir complètement. On charge, j'ai raté parce que j'avais pas ma bande de charger. Donc on recommence.
Normalement, vous allez pouvoir avoir bombe de charge ici. Hop. Wall jump. Space jump. On charge le tir. Oups, c'est là. J'ai raté le timing. On charge le tir. On lâche tout de suite. Comme ça, on l'a buté et on arrive. Je recommence. Vous voyez, parfois ça arrive, ça qu'on le rate. Hop, on fait attention à avoir les power bombes de charger. On passe, on se laisse tomber, on y va. Hop, une fois qu'on arrive là, on charge, on tire vers le haut, on freeze. Voilà, et on est là. C'est pas. Comment ? On appelle ça la workthrough in the game, c'est vraiment pour le top niveau, elle est vraiment pas si difficile à notre niveau, mais après on va pas du tout aussi vite que ce qu'on pourrait faire. Ici donc, pour l'amphithéâtre, deux méthodes, et une qui sert de backup. Donc une qui sert de backup, ici juste avant de passer la porte, donc vous allez courir, et juste avant de passer la porte vous allez sauter. D'accord ? Comme ça, vous êtes déjà capable, de l'autre côté, de faire des space jumps pour, en gros, arriver du bon côté, venir vous poser ici, space jump, space jump. Vous pouvez vous venir mettre sur la plateforme ici pour être safe, vous passez au-dessus et vous passez la porte. Je la refais. Hop, ah zut, je pensais avoir backupé, mais non. Hop. Hop. J'ai voulu charger. Hop, voilà. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Hop, on peut charger tout de suite. Comme ça. Là. On saute juste avant la porte. 1, 2, 3, 4. On essaie de passer là comme ça. Pour pas se taper les pirates en haut. Enfin, en bas plutôt. Là, on peut se mettre là. Et on passe la porte. La deuxième méthode, qui est éventuellement si vous ratez, c'est pas très simple. Oh zut, j'ai raté. Pas très simple, c'est pas très compliqué. Vous retombez ici, vous prenez de la vitesse, vous courez, et vous faites la même chose. D'accord ? Vous prenez de la vitesse, et en gros, vous faites comme ça pour monter, arriver au même endroit, et vous passez au-dessus de ce pirate, et vous passez. Voilà. C'est un poil plus lent, mais c'est pas non plus une grosse perte de temps. Donc ici, il y a deux approches. La première, de débutante, c'est d'aller en face, récupérer, c'est ce que je vais vous montrer. Mais sachez que quand vous commencez à être à l'aise, on va aller récupérer un e-tank. Quand vous commencez à être à l'aise, vous pouvez complètement le skipper cet e-tank. Complètement le zapper. Et en gros, tout de suite descendre. Arriver là et descendre. Moi, je vais vous montrer en gros par ici. Donc ici, vous passez la porte. Vous chargez des super missiles pour aller tuer tout de suite le monstre là. Vous passez et vous allez prendre l'énergie tank. C'est une bonne idée si vous voulez être tranquille, en gros en profiter des Lumafly là pour elle drop des power bombs tout le temps quasiment pour en gros vous recharger en power bombs. Vous en avoir besoin à la fois pour aller rejoindre Ridley, mais aussi c'est bien d'en avoir pour sortir de Lower Norfair. Il y a deux endroits, enfin pour sortir de Lower Norfair et pour sortir de Bubble Mountain. Quand on va repasser dans l'autre sens, en gros on en a besoin de 3 minimum. 3 1 On a besoin de 3 minimum, l'idéal c'est d'en avoir 4. Donc une fois que vous avez récupéré le tank, hop, vous sortez. Et vous redescendez par ici. Je vais faire un point sauvegarde. Truc à savoir ici, c'est en fait quand vous tirez en passant dans les... Ceux-là, ils font particulièrement mal. Mais en gros, quand vous passez et que vous tirez en même temps, bah, ils ne vous font pas de dégâts. Vous pouvez complètement les traverser. Hop, voilà. Ici, vous pouvez charger une bombe. Si vous en avez assez. Si vous en avez, hop, passé directement. En mettre une ici et vous désactivez tout de suite vos power bombs.
Ici, vous vous laissez tomber et vous appuyez. Je vais vous la remontrer, la salle, de toute façon. Pour faire ça. Alors, je remonte. Ici, vous passez pour pas... Oh, bah là, j'ai raté. Hop. Tac. Bon, encore, j'ai pris des dégâts, c'est pas grave. Posez une power bomb. Vous vous laissez tomber, vous pouvez vous mettre tout de suite en boule. Posez une autre power bomb, vous désactivez la power bomb. Et en fait, ici, ce que vous pouvez faire, c'est donc vous laisser tomber. Regardez, je vais me laisser tomber. Et je vais continuer uniquement à appuyer là sur le bouton. Hop. Et en gros, avec la flamme, elle va nous popper au bon endroit. C'est exactement ce qu'on veut. Donc ici, on pose une mini-bombe. Ici, on pose une mini-bombe. Ici, vous pouvez rester en bas. Poser la bombe ici, comme ça. Essayez de pas prendre trop de dégâts de la part de ces deux-là. Parce qu'ils font très mal. Sachez que si vous avez pas de... Vous avez plus de power bomb, y a ce qu'on appelle les Power Bombs of Shame, que je vais vous montrer. Ils se trouvent juste là. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave, c'était pour la démo. Voilà, ils se trouvent jusque là. C'est ce qu'on appelle les Power Bombs of Shame. Si vraiment vous en avez pas pour briser... les blocs qui sont ici, vous pouvez aller en chercher ici. D'accord. Love on Warfare, Interstate Metal Pirates, ça va être ça, je suppose. Ouais, bon, on va le refaire. C'est pas grave, j'avais sauvegardé là. Hop, on commence. Hop. Encore une fois, on appuie complètement sur la gauche, rebond, flamme, et on est posé au bon endroit. On sauvegarde ici, hop. Vous pouvez rester en boule pour éviter les dégâts, ça va dépendre de lui comment il saute. Voilà. Ici, vous désactivez bien vos power bombs, et vous pouvez en gros vous mettre en boule. Dès qu'il est soulevé, comme ça vous passez. Vous chargez vos super missiles, vous tirez sur vous tirez et vous ouvrez la porte. Ici. Il y a une méthode qui est très simple et qui est très safe pour éliminer les deux pirates qu'on a en dessous, qu'on a après. Tout simplement, ce que vous faites, c'est ici pour le premier, vous vous mettez au niveau de ce pylône, vous chargez un tir, il va sauter, vous le laissez et vous tirez comme ça vers le bas quand il passe en dessous de vous. Même chose, vous alignez avec le pylône qui est là. Même chose. Et c'est tout. Encore une fois, c'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est une méthode qui est très fiable, qui marche bien. Et ces ennemis, en fait, moi je me rappelle quand je jouais, que j'étais gamin, ces ennemis-là, c'était une belle galère. Mais en gros, c'est une méthode très simple. Donc je la refais une dernière fois. Hop, on se met, on passe au-dessus, on charge, on évite leurs petits trucs qui nous balancent là. Hop, si vous ratez, vous pouvez recommencer. Voilà, normalement deux fois ça suffira. Voilà. Voilà. Et on passe. Tout simplement. Suivant ici, ben en fait vous pouvez passer de manière très simple. En fait ici vous pouvez passer directement en faisant space jump tout le long de la salle. Il n'y a personne qui va venir vous embêter. Normalement, comme on a récupéré de l'énergie avant, on est tranquille. Là, on va faire la même chose. Et en fait, en sautant, on va charger les super missiles en même temps. Pour qu'en retombant, on ouvre, Ghadorah, la porte. Et on soit là comme ça. Voilà. Alors, Ridley. Je reviens tout de suite. J'arrive. Encore une pause technique. J'arrive tout de suite. Je crois qu'il y a un truc... hop, c'est la même... Voilà.
Mais en voilà. Alors. Ridley. Ridley, je vais pas vous... Pareil, je vais pas montrer la stratégie la plus efficace simplement parce que je la maîtrise pas. Hein. Pour ça, il y a des tutoriels par Zeni et par les meilleurs, des joueurs bien meilleurs que moi. Encore une fois, ce que je vais vous essayer de vous montrer une strat qui est stable, fiable, et qui va pas vous faire mourir. On a largement assez d'énergie pour éliminer Ridley, même en prenant du dégât. La strat qu'on va employer tout simplement, c'est on va pas utiliser de super missile, on va pas utiliser de missile, on va rien faire de particulier, on va juste lui balancer 20 tirs chargés dans la face. C'est tout ce qu'on va faire. Et on va le faire en essayant d'anticiper ses déplacements. Pas le manipuler, parce qu'on peut manipuler Ridley, on peut manipuler son comportement. C'est pas si facile que ça, mais c'est faisable. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est en gros essayer de... Je vais essayer de vous expliquer comment lire un peu ce qu'il va faire. Être capable d'anticiper. De manière à prendre le moins de dégâts possible et de passer cette salle de manière la plus safe possible, la plus tranquille, mais en allant quand même assez vite. Alors, hop, j'ai sauvegardé. Vous allez passer la porte et tout de suite charger un tir. Tout de suite vous chargez un tir. Vous pouvez vous mettre là, viser vers le haut, et en gros, dès qu'il apparaît, 1, 2, et 3. Déjà, vous l'avez mis 3, 4. 5, 6, là il va plonger vers moi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oups c'est là, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et là normalement il est fini, et là en gros il va continuer à vous casser les pieds pendant un certain temps, essayez de pas, voilà, parce qu'en fait soit il vous attrape, ou soit il va faire ça une dizaine de fois, jusqu'à ce qu'il explose. Mais en fait, c'est pas parce qu'il a plus d'énergie, Ridley, c'est pas parce qu'il a plus d'énergie qu'il va pas continuer à vous mettre sur la gueule. Il va attendre. Il y a un certain nombre de conditions qui vont faire que... là, c'était pas forcément le meilleur combat de l'histoire. Mais on est passé sans trop de difficultés. En gros, quand vous sautez haut... Quand vous sautez en l'air, comme ça, très très haut, ben Ridley, il va avoir tendance à se mettre en hauteur. D'accord ? Il va avoir tendance à se mettre en hauteur. Et une fois qu'il est en hauteur, il va rester un peu, et après il va venir vous charger, en fait, comme ça, en descendant comme ça, et en repassant dans l'autre sens, et faire la même chose dans l'autre sens aussi. En gros. Voilà ce qu'il va faire. Quand il vous charge... Quand il pogo, ce qu'on appelle pogo, comme ça, quand il pogo, on peut viser vers le haut et le tuer comme... Enfin, en gros, et le tirer comme ça. Et voire même passer sous sa queue en se mettant en boule. Il y a un endroit qui est safe, je vais essayer de le montrer lors d'un combat suivant, qui est ici, en gros, avoir les pieds comme ça, et viser comme ça quand il essaie de pogoer, il peut rien faire. C'est pas très clair, je vais essayer de le montrer, je vais faire plusieurs combats contre Ridley pour montrer un peu. Mais c'est difficile de donner un guide comme ça rapidement de comment Ridley se comporte. Donc je vais juste faire quelques combats pour que vous ayez un sens de ce qui se passe. Donc encore une fois, on charge un tir. Dès qu'il se présente. 1, 2,
3, 4, 5, hop là il va. Ah dommage, je pensais qu'il allait pogo. Hop, 6, 7. Quand il fait ça, on peut faire ça comme ça. Quand il commence à pogo, on peut plus ou moins faire un petit jeu comme ça de balancier. Ça arrive de temps en temps. Je vais vite compter, mais à la limite, ça n'a pas vraiment de. Et voilà, quand je vous dis qu'on peut le manipuler, en fait, là, on le manipule à faire constamment la même chose. Là, je vous disais, c'est l'endroit safe. Il peut rien faire, mais bon, il n'a pas resté très longtemps. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Oups, c'est là. Encore une fois. Donc là, il a plus d'énergie, mais c'est pas pour autant qu'il va mourir. D'accord ? Il faut qu'il explose ou qu'il nous attrape. Et en fait, ça, c'est plus ou moins aléatoire. Donc on peut, entre guillemets, si vous vous mettez en boule, à un moment donné, il va vous attraper. Mais si ça se trouve, pendant un temps, il va vous faire du dégât. Et si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ben, vous l'avez dans le trululu. Et il peut éventuellement faire ce jeu-là de monter et de descendre. Si vous sautez, en gros, il va faire ce jeu de monter et de descendre. Il peut le faire jusqu'à 10 fois. Voilà. Donc je refais un combat en gros pour montrer encore une fois. Je pourrais en faire plein hein, parce qu'on couvre jamais tout. Mais on peut. Ce que je disais, c'est qu'on peut anticiper un peu ce qu'il va faire. 1, 2. Ah, j'ai raté. Hop, je suis pas allé. 3. Oups, c'est là. Là, il va charger vers le. Hop, j'ai raté. Hop. Là, je dois être 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ah non, j'ai oublié, 20, mais j'ai mal compté. Hop, voilà. Et voilà, maintenant là en fait vous pouvez vous mettre comme ça et si ça se trouve il va vous attraper et exploser. Là j'ai eu de la chance, il l'a fait tout de suite. Mais il y a un risque qu'il vienne vous mettre des dégâts et que bah en fait vous trouviez. Vous avez théoriquement tué Ridley, mais. Voilà. Donc voilà, on peut complètement, je répète, anticiper ce qu'il va faire avec de l'expérience. En gros, s'il reste là-bas longtemps, c'est qu'il va probablement faire un balayage comme ça pour remonter ensuite par là. S'il reste là-haut longtemps, c'est probablement qu'il va balayer comme ça pour arriver dans ce coin-là. Quand il pogo, on peut tirer vers le haut et en gros se balader comme ça et lui mettre des dégâts. Il peut repasser en dessous, faire la même chose et se mettre là et venir lui faire du dégât. J'ai pas eu l'occasion de présenter ce truc-là, mais je vais pas passer des heures sur Ridley. Et de toute façon, ça fait déjà bientôt une heure et demie que le tuto court, et je commence à fatiguer, donc je vais pas... je crois qu'on va arrêter là, après avoir tué Ridley. Donc, vous avez tué Ridley. Vous allez récupérer le... l'e-tank qui se trouve derrière. Juste là, vous tirez. Vous mettez en boule, vous le prenez. Vous sortez de la salle. Vous prenez wall jump et vous sortez de la salle comme ça. Voilà. Là, il y a la sortie de, donc à suivre. Il y a la sortie de Lower Norfair. Repasser dans Meridia rapidement. En fait, on va refaire Brinstar, on va refaire Meridia dans l'autre sens, Meridia dans l'autre sens, de manière à retourner au vaisseau. Torian. Et Motherbrain et l'Escape, ce sera le sujet du prochain tuto. Merci d'avoir regardé si vous avez, si vous avez regardé. Bonne journée. Et à la prochaine. Ciao.